C'est une grande joie pour les militants et militantes du Parti des démocrates pour le développement du Congo, PDDECO en sigle, de vous voir nombreux et répondre à ce rendez-vous de la sortie officielle de leur parti. Au nom du parti et à mon nom propre, nous vous saluons et nous vous souhaitons la bienvenue. Dans les écrits du Bab, il est dit, le monde est un seul pays. Les hommes en sont les citoyens, voire nouveaux jardins. Ces derniers sont établis sur la planète Terre par la loi du hasard, mais ils méritent tous les mêmes traitements, quel que soit l'endroit où ils se trouvent, au nord comme au sud, à l'est comme à l'ouest. Les difficultés éprouvées par les uns doivent impérativement les efforts des autres dans la recherche des solutions. L'épanouissement connu par les pays du Nord devrait s'étendre aussi au Sud, pour parler de la mondialisation. En dehors de cet engagement sincère entre les pays du Nord et du Sud, la paix et le développement au Sud de la planète restera hypothétique. Les relations particulières entre États et l'échange des expériences demeurent l'unique manière de canaliser les efforts et la politique de chaque pays. La complémentarité recherchée par les pays du Sud est un facteur qui peut induire le développement à l'échelle mondiale. Dans cette perspective, la République démocratique du Congo a grandement besoin de soutien des États avanceux pour des raisons d'annihiler la guerre intempestive, d'établir la paix et la souscrire au développement. Il demeure en proie des difficultés de tous ordres. Les guerres, les rébellions, les tentatives de sécession, les violations massives des droits humains, l'égoïsme, le manquement grave aux règles de la bonne gouvernance, etc. sont là les événements qui empêchent l'organisation politique, économique, sociale, juridique et culturelle de l'État. Le seul moyen de lutter contre tous ces marasmes est de confier le pouvoir à une classe responsable, capable de diriger le pays dans la transparence et dans le respect des droits des citoyens. La démocratie participative reste, à notre humble avis, la seule manière d'impliquer tous les peuples dans la gestion du pays et de lutter contre la loi de la jungle soutenue par les partis qui se sont succédés au pouvoir en République démocratique du Congo. Après analyse de causes et de conséquences de tous ces événements, nous nous sommes réellement rendus compte qu'il existe un conflit permanent en République démocratique du Congo. Ce conflit tire ses origines dans la gestion de la chose publique, devenue aujourd'hui l'affaire d'une poignée de gens qui exaltent les mois et le manque du partage des richesses nationales. Excellents, mesdames et messieurs, la République démocratique du Congo organise les élections nationales générales à partir du mois de novembre 2011. À ces échéances, et plus particulièrement la présidentielle, le PDDECO présentera son candidat à la magistrature suprême. PDDECO présentera son candidat à la magistrature suprême à la personne de son président Jacques Abandeloa Kambi.
pour la mise en pratique de toute cette vision évoquée dans cette allocution. Le PDDECO compte sur l'appui du peuple congolais tout entier et de la confiance des pays amis qui souvent accompagnent la République démocratique du Congo dans des moments cruciaux. C'est ainsi que nous lançons un appel pathétique à vous tous qui avez le sens de la patrie, qui aiment le changement, qui veut la promotion d'une politique économique capable à s'établir, à stabiliser l'État et ses institutions. Vous qui, par-dessus, les marches réclament quelque chose sans la trouver, de venir soutenir le PDDECO dans sa démarche de conquérir démocratiquement le pouvoir en République démocratique du Congo. Excellences, Mesdames et Messieurs, nous vous rassurons que le changement CEO envisage profitera à tous les peuples congolais, partout et dans les délais de notre mandat. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le PDDECO, nous vous remercions.